Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve à Nantes, à côté de chez nous en fait, pour une petite balade en centre-ville, donc avec le château des Ducs de Bretagne, le miroir d'eau, juste ici derrière. Et puis on va aller rejoindre l'Erdre et faire une petite balade le long de la rivière, du fleuve, qu'on appelle l'Erdre, qui va être très sympa. Allez, à tout de suite sur les chemins. Et bien voilà la cathédrale Foch donc de Nantes hein, qui malheureusement a connu un incendie il y a un peu plus d'un an, donc l'orgue magistral qui trônait fièrement là au centre derrière le grillage actuel malheureusement a été complètement détruit, donc pour le moment ils sont en rénovation pour essayer de rendre à cette cathédrale et bien ses lettres de noblesse. Alors voilà, vous pouvez voir derrière moi la colonne Louis XVI. On est actuellement sur le cours Saint-André, donc qui est juste à côté de la cathédrale Foch, que vous pouvez voir également derrière moi. On va rejoindre l'Erdre là maintenant, donc via le cours Saint-André. C'est ici habituellement que se passent les grands événements. La finale de la Coupe du Monde notamment a été diffusée ici. Et puis on va rejoindre le petit Mathis et Vic. Et voilà donc le début de l'Erdre. Bon, eh bien voilà, on est le long de l'Erdre. Il y a plein de petites péniches comme ça. Alors, il y en a certaines qu'on peut louer pour des événements, par exemple. Il y en a une qui a été aménagée en crèche pour les enfants. Il y a des personnes qui vivent ici, donc c'est assez sympa, assez vert. Juste en face, on a l'île de Versailles, qui est très très chouette à visiter. Un beau petit jardin japonais, donc franchement, si vous êtes dans le coin, ça vaut le détour. Et puis nous, on continue vers le côté un peu plus sauvage de l'Erdre.
Bon, et eh bien voilà, on a fait un petit tour du parc floral donc de la Beaujoire. Donc vous avez pu découvrir le centre-ville de Nantes, en tout cas traverser le centre-ville de Nantes, le long de la balade le long de l'Erdre, et puis maintenant le parc floral donc de la Beaujoire. J'espère que ça vous a plu. Nous, on va prendre les transports en commun, on va rentrer parce que le petit père il a bien marché. Donc n'hésitez pas à nous commenter cette vidéo pour nous dire si vous avez déjà fait les mêmes balades, likez évidemment, et puis partagez pour qu'un maximum de monde puisse découvrir les beaux coins dans Nantes. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.